les gens, bienvenue sur frappstesjeux.fr ou sur mon blog tissantra.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Assassin's Creed Eve Black Flag. C'est parti pour un tour, nous sommes toujours à Nassau, on vient de terminer notre mission pour récupérer une clé, ce qui n'est pas plus mal, et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire de plus. Nous avions des coffres un peu partout, mais ça, je m'en schtroumpf pour le moment. Où est-ce qu'est le bateau le plus proche? On a ça ici. Comment ça, Stéphane, c'est bien aussi. Les ravers d'eau, ouais, ça aurait pas été une mauvaise chose, peut-être. Où est la prochaine mission? Là. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est ma planque, je crois. Kretinaga. Je n'avais pas tout récupéré. De toute façon, c'est tout ce qu'il nous fallait du pognon. Il me manque la taverne. Ah, tu veux que j'aille absolument que j'aille boire un coup, c'est ça? On va en boire un, mais... avant cela, je voulais voir... Donc, la quête est là. Parce que, en fait, le problème, c'est que... En termes de mission, je n'arrive pas à voir s'afficher les lieux où se trouvent les assassins. Ah, c'est quelqu'un. Peut-être qu'il y en a un dans chaque grande ville, en fait. Genre, si je zoome là-dessus... Voilà, là, il y en a un autre. À Kingstown. Et là... Non. Nassau, on vient de la faire. La Havane, nous avons un assassin qui est en danger. Ce serait bien qu'on s'en occupe au plus vite quand même. Et là, on l'a déjà fait, je crois. La carte est tellement grande. C'est triste, hein. Jean... de Hippolyte, du coup je préfère BG. Ah Stéphane, c'est ton vrai prénom, d'accord. Je dis, j'ai deux tensions, c'est pas nouveau, hein, mais... là pour l'instant, le cerveau n'est toujours pas réveillé. La taverne, on avait dit, ok, bon, vous voulez que je boive un coup, on y va. BG était là bien avant Michael Vendetta. Non mais il s'est accroché à quoi là, dites-le moi. Il s'est accroché à travers le mur. Il y a des fois il y a de quoi se poser des questions quand même, hein. How fair you friend? A drink? Le bouffon Lambert. En fait, c'est pas ça que je cherche, c'est Something to wet the old whistle, my friend. C'est comment qu'on boit? C'est pas ça la taverne? Où est-ce que c'est que je peux boire? J'ai des pirates. Tu cherches des bons loups de mer, capitaine? Non. D'ailleurs, on a même pas essayé leur jeu à eux là. Allez. On pense que le Fanorona est un jeu d'origine de Madagascar et se joue sur un plateau de 9 rangs et 5 colonnes. Chaque joueur place 22 pièces noires ou 20 blanches sur le plateau puis tente de capturer les pièces adverses en déplaçant les siennes le long des lignes. Il doit s'approcher ou s'éloigner d'une pièce adverse. But, prendre toutes les pièces adverses, récapturer les pièces adverses en vous déplaçant vers elle ou en vous éloignant. Lorsqu'une pièce est prise, toutes les pièces adverses contiguës situées derrière cette pièce sont également capturées. Toute capture reste possible et obligatoire. Si aucune capture n'est possible, le joueur peut déplacer une pièce sur une case vide adjacente. Et possible, après avoir pris une pièce adverse, il est possible d'enchaîner les captures jusqu'à ce qu'aucune pièce ne puisse... ne soit, pardon, plus possible. Prise ne soit plus possible.
Comment ça, j'ai une vision sélective? Il faut appuyer sur la bouteille. Mais tout est sélectif chez moi. Il est interdit de déplacer une pièce hein, sur la même case deux fois. Bah vas-y, écoute, on va tenter. On va tenter histoire de faire souffrir un peu. C'est pas forcément le but complet, mais je vais essayer. Alors, ça me rappelle le jeu qu'on avait déjà essayé dans Assassin's Creed 3. Donc je vais mourir à très grande vitesse. Du problème. Coucou toi en tout cas. Bah non, ça va pas être du rabat. J'ai bobo là. J'ai vraiment bobo. C'est bon, calme-toi. J'ai compris. Je fais une bêtise, mais je joue très très mal à ces jeux-là. Ah, je crois que je pouvais rebouger après, mais en fait, je peux déplacer d'un point à chaque fois. Hello Sean. Ah, je peux encore me déplacer. Mais c'est génial ça. C'est bien ça. Comment puis-je faire ce qu'il y a à faire? Comme ça. Ça me convient. Est-ce qu'il se pourrait-il que je gagne en fait? C'est bien ça.
Arrête, j'ai gagné. Ah mais elle me la prend, je suis con. Quelle quiche. Ah, da, da, da. Celle-ci, je peux déplacer? Ah bah, je peux la prendre, je suis bête. Chance va revenir. Ah, pff. Oh, cette catastrophe! Chut, PJ, ne révèle pas tout. Ne révèle pas tout. Ah, je peux reboire du coup? Mais viens là. Ah, lave-la la fameuse bouteille. Mon dieu, qui est nul. Ça restera notre petit secret. Donc en fait, si je comprends bien, il s'est suicidé là, mon adversaire. Il s'est dit, punaise, le mec. Le mec qui est totalement à côté de ses pompes. Il sait pas jouer, on va lui faire un cadeau. C'est pas une surprise. Non mais oh. Bande de méchants réalistes. Après tout, c'est vous qui avez conseillé de boire comme ça. Écoutez, je vous écoute. Arrête, à une époque, je jouais aux échecs et aux jeux de go, hein, donc quand même. À une époque. C'est très très lointaine, mais à une époque. Je jouais aux dames et aux dames chinoises. J'adorais ça d'ailleurs, les dames chinoises. Et il m'arrivait de gagner. Mais je pense qu'en fait, je gagne par chance, en général. Je suis où là? Dans un tas de foin. Ok. Je suis comme qui est heureux. Alors, mon bateau. Oh, mon bateau. Il est temps de prendre le volant. Bateau. Non, Black Flag. Ah non, moi j'ai suivi les consignes, hein, monsieur. J'ai suivi les consignes. On m'a dit tu bois, je bois. Voilà, je suis les consignes des professionnels sur le jeu. Et tout va bien. D'accord, c'était juste ça en fait. Depuis le début. Le capitaine reprend la barre. A chaque fois, ça me perturbe. Je vous rappelle que la barre est un filmeur. Le capitaine reprend la barre. Ok. Je suis là qui me gratte. Enfin, la paupière pour être plus précis. Ce perso termine à poil avec la picole comme dans The Witcher 3. Dites non à l'alcool. Mettez vos drogues. C'est mieux. C'est ça, faut pas taper la barre. Alors, ensuite, la prochaine mission est au sud. Par là, ah, je vois que nous avons des animaux à chasser sur le chemin. Est-ce qu'on va pouvoir s'en occuper? Je sais pas si ça vaut cool les attaquer, ces machins-là, là. Convoi naval. Et si on essaie de s'en faire un petit? Pas ce que vous en pensiez, mais... Toute la toile, la main dessus. On va d'abord aller voir si on peut améliorer un petit peu l'équipement, mais... On va faire du level up de bateau. T'as de la route. Bonne nuit, monsieur Ringabell. Et merci beaucoup d'être passé.
Prenez soin de vous, faites de vos rêves. Et bon courage pour la route. À la prochaine, et merci. Encore une fois, ajoute à ma flotte démantelée pour 300... J'aime. Je crois que j'ai pas compris toutes ces choses en fait. Ah, c'est un mini-jeu de... Ah, mais c'est qui fait mal. Pardon. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je suis en train de faire. Je sais pas. Des balises. Oh, comment c'est bien dit. En fait, je sais pas du tout pourquoi je fais ça. Hein. Eh, hey, salut Carole, comment vas-tu? Comment allez-vous, Madame Siam? Depuis le temps. Oh, c'est la merveilleuse. Ah là là. Reprendre, ça c'est bon? Ou c'est toujours pas bon? Non, combat naval, bon, on va rajouter une couche tant qu'à faire. Hein. Ils ont pas eu ce qu'il leur fallait. Caché sous le canapé, pourquoi? Attendez, les gars, doucement, doucement, doucement. Ah, je viens de voir le message de là, d'accord. Mais quelle idée aussi. Et nous voici sur un environnement sûr. Lancer les missions. Missions. 100% de réussite. Ah bah écoute, on y va, hein. Voilà, je sais, encore une fois, je sais pas du tout pourquoi j'ai fait tout ça. Mais j'ai fait. C'est déjà occupé par la poussière. Oh, BG! Qu'est-ce que c'est que ce travail? Non, elle dit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poussière. Pas trop chaud? Non, la température, il fait presque froid dans l'appart en fait ici. Ça, c'est génial pour ça. Alors, protection de coque, est-ce que ça vaut le coup? J'ai pas de sous de toute façon, donc ils ont des boulets ronds. Alors je peux augmenter ma cale. Alors par contre c'est pas précisé combien on peut porter au final.
Et ça, c'est un peu triste qu'on se dise. Canon, alors j'ai pas assez. Par contre, là j'ai ce qu'il faut. Quelle idée! Quelle idée! Va falloir que je pille quelques petites choses hein, parce que on n'est pas joyeux en termes de ressources. Et je peux toujours pas débloquer la cloche à plongeur. Et est-ce que je peux vendre des choses? Parce que j'y pense jamais, mais je crois que le faut juste que je garde le tissu, le métal et le bois, le rhum et le ne servent pas plus en fait. T'étais. Ça, il n'est pas question que je le vende pour l'instant. Je peux en avoir besoin. Tu sais, t'as marché sur lui. Ne lève plus le pied. Je ne lève plus le pied. Ça commence à me donner froid. Je regrette juste de ne pas voir vraiment les changements sur le bateau. Parce qu'en fait, on voit le machin clignoter, mais on voit pas où est le changement. Moi, je le remarque jamais, moi. J'ai l'impression que le bateau a déjà changé quand je le vois. Et c'est toi qui as fait le ménage cet après-midi. Mais que faisait BG? Le capitaine Barr. Quel est cet homme qui fait pas son boulot? Déferler la grande voile! Mais pas sous le canapé. En même temps, c'était peut-être pas là pour le soulever, hein. Ramenez toute la toile! Je vais essayer d'aller attaquer le mec là-bas. On va aller voir. Au pire, je vais mourir, c'est pas grave. Je le sais, j'étais dessus, voilà. Sauvons des gens. C'est quoi cette façon de faire? Laissez les femmes faire le ménage. Oh, Captain Baker, how do you store your cargo? Oh, boys, row, boys, row. Some I stow forward and some I stow after. Ça donne tellement envie d'aller se baigner, ça. Peut-être que je m'attaquais à trop gros, là, pour l'instant. Mortel apocalyptique, oui, c'est ça, la mort mortelle apocalyptique, j'avais oublié. Mais ça a bien fini par se calmer, cette histoire. Au pire, vous avez de la poussière. Il est toujours possible de faire un pansement avec de la poussière. Comme ça, c'est réglé. Tant d'amour en si peu de mots. Alors, c'est parti. Sally Brown, she's the gal for me, boys. Alors, je pense que... Ah non, ça va! Sally Brown, she's the gal for me, boys. Accrochez-vous! Ah, je peux l'aborder direct, Robin. La boucheuse va leur rendre visite! C'est un membre de mon équipage, je pense. Bah, je pense que c'est moi qui l'ai tué. Je peux me tromper après, hein, mais je pense que c'est moi.
c'est tir, ça fait du bien. Réparer Jack 2, y'a pas besoin. Réduire le niveau de recherche, oui, tant qu'à faire. Soignez-nous ou mourrez. Chanceux, Tika. Moi, je pourrais rien dire, de toute façon, je suis. Donnez-moi de la vitesse. Mon appareil va permettre d'améliorer le navire. Un appartement où il fait bien frais. Il doit faire à peine une vingtaine de degrés, là, je pense. J'ai presque froid en t-shirt. Oh là. C'est là qu'il faut tirer. Prêt à faire feu, capitaine. Ils sont bien plus vrais, capitaine. Un petit là. Oh, c'est bon, c'est réglé. On va pas envoyer ça à la flotte de Cleanway, c'est pas logique. Vous signez à mon bord, les gars. Mais effectivement, c'est bien qu'on arrive à récupérer les bateaux de légende, comme disait si bien BG. Non, mais j'attaque le petit. On va être tranquille, justement. Relevant de combat. Au navire de guerre. Plus de voiles. Toutes les voiles. Je crois qu'il va me tirer dessus. Je crois qu'il essaye de me tirer dessus. On va les foncer dessus, hein. Attention, collision dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, on peut y aller. Alors, attends. Je peux pas les viser, les mecs là-haut. Y'a pas les petits tonneaux qui traînent? Si, là. Ça a pas fait péter le tonneau, je suis pas du coup. Écoutez, au grand mot, les points romains, hein. Non mais alors ça, par contre, quand le perso refuse de faire ce qu'on lui demande, c'est magas. Tu pourrais monter, s'il te plaît. Alors que mes camarades se font tuer. J'ai tué les vigies, donc on va aller tuer les vigies. Je crois qu'il y a moyen de se tuer. Je vais juste monter, s'il te plaît. Voilà, ça monte pas là. Et voilà. Youhou! Bonjour. Au revoir. J'ai fait une bêtise. Mais au secours, quoi. Oh, du vide, et si je me jetais dedans? Oh là là, mais c'est trop cool le vide! Mais non, mais. Mais pourquoi il me fait ça?
seul dans la vie. Ouais, non, mais justement, c'est pas super intéressant l'argent dans le jeu. Ça apporte pas grand chose de plus. Alors, la question du jour, c'est nous n'avons pas vu Bobby hier. Le verrons-nous aujourd'hui? Je vais même pas envoyer de message. Je suis un gros pas cool. Texto. J'ai oublié le texto. On a trouvé de quoi renforcer notre navire, capitaine. Accrochez-vous, un conseil du conseillant. Un conseil du conseillant, voyons voir ça. Oh, y'a espèce d'ananas ton micro. D'accord, monsieur. Nous retenons la formation du conseillant et nous allons nous attaquer à des gros bateaux qui rapportent beaucoup de sous. Enfin, pas beaucoup de sous, justement. Et beaucoup de ressources. C'est marqué que c'est trop difficile pour moi, le Tortuga machin chose. Tente quand même ou pas? Là-haut, les gars! Je veux voir, c'est caca toi! Ah, les espèces de bancs de d'oiseaux, là, c'est des lieux de... Comment puis-je repérer les bateaux qui... Ouais, c'est toi la nanasière. Du coup, ça m'a fait rire de retomber dessus parce qu'en fait, comme j'ai pas lu le message, vu qu'il était assez court, je l'ai pas lu sur le téléphone, je l'ai lu sur l'aperçu en fait. Bon, alors, faisons-nous une petite frayeur là, on va essayer de choper de la baleine, d'accord? Je veux essayer. C'est niveau 3. C'est la baleine blanche! Ah ouais, c'est carrément Moby Dick. Oh, vas-y, je tente. Je tente. On sait qu'on va se louper, mais je tente, d'accord? On verra bien, hein. Dans le pire des cas, je ne fais que souffrir. On va voir ça. Et attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Tenez bon! On le tient! Mais... On le tient! Elle est costaud la mission. Ça n'a pas fait plancher! Méfiez-vous de sa queue! La mer devient rouge! Le portage a cassé, capitaine! Elle est solide. Vous avez entendu? J'ai que 30 harpons. Ça ne lui a rien fait, capitaine! Allez! Allez! Cet animal est dangereux! Comment je faisais? Comment je vais faire pour. Pour l'avoir là? Là! Par bâbord, avant! Amarrez le cordage! Allez! Allez! Mais j'étais en plein dessus là! Comment t'as fait pour rater? La bête est touchée! Bah ouais, j'ai pas bien qu'elle est touchée. Joli lancé, capitaine! Touché! Joli lancé, capitaine! Joli lancé, capitaine! Eh ben, vous avez entendu? On peut se planquer. Accrochez-vous! Laisse ça! Épuise-toi! Non mais c'est la Ninja Gaming. Je suis sûr que j'aurais pu l'avoir. Mais en fait, je peux pas esquiver son coup. Je peux pas esquiver son coup, et ça c'est pas juste qu'on se le dise, parce qu'on va se mettre d'accord tout de suite. Si je peux pas esquiver son coup, j'ai aucune chance de réussir. Il me faut forcément un bateau pour se lever. J'aimerais juste lâcher la barre, s'il vous plaît. Envoyez la grand voile! Profitons de cette brise! Carguez les voiles! Sur l'air! Carguez les liers! Carguez la grand voile! T'as aucune chance de l'esquiver?
Non mais j'ai bien compris que c'était Moby Dick, mais quelque part je pouvais essayer de l'avoir. Genre attention, je tente ma chance, et avec beaucoup de technique, et je peux l'avoir quand même. Mais en fait non, même pas. Ouais non mais justement j'avais déjà amélioré ces choses là. Là par contre c'est vrai que je peux retaper un petit peu la chaloupe. Arpon d'élite, d'accord. Ah j'ai plus assez de tissu, bon il va falloir qu'on aille chasser. Non mais je viens de comprendre que de toute façon, vous m'avez fait comprendre surtout que c'est pas la peine. Étant donné mon niveau, c'est pas la peine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer sur autre chose. Mais je sais qu'elle est là maintenant, au moins je la verrai sur la carte définitivement, j'espère. Et je pourrai m'en occuper un de ces jours et je lui dirai « Haha, je t'ai bien eu !» Ça c'est quoi? C'est du requin bulldog, ça c'est du requin marteau. Est-ce que je peux m'attaquer à un fort? Moyen. Est-ce qu'il y a des forts faciles pour l'instant? Moyen. Moyen. Away du bateau. Alors on est là. Là il y a un point d'interrogation. Le capitaine reprend la barre. Allez, on va prendre ce vent. Ce fruit bien mûr attend de se faire cueillir, capitaine. Toute la toile, il peut le supporter. Eh ben écoute. C'est juste une question de comment on appelle ça. Hey, salut mamie, comment ça va? C'est juste une question de persévérance. Si elle m'avait pas tué en un seul coup la baleine ou deux, j'aurais peut-être pu essayer de l'avoir à longueur. Mais je pense quand même que j'ai que 30 harpons, donc Garez le bateau s'il vous plaît, merci. Ah l'abordage. Capitaine par-dessus bord. Pourquoi cette musique, c'est à cause de la tempête ou... Mais la méta histoire, alors on s'en fout rien de moins. Ah bah si, il a pu monter. Je pensais qu'il n'y arriverait pas, mais ça a marché. Mieux, hein. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit, je suis pas d'accord. Non mais c'est un jeu. C'est un jeu où le fait est que le gameplay est tellement prenant en fait qu'il devient plus prenant que la méta-histoire, puisque la méta-histoire est mise en dessous pour le reste. Donc du coup ça fait que ça intéresse bien moins la méta-histoire dans le jeu. Ce qui est carrément dommage. Finalement, ce qui est le plus intéressant dans Assassin's Creed, mais monde au Brésil. Tu es sur quoi? Je suis sur Assassin's Creed Eve Black Flag. Parce qu'il ne faut pas dire, pour une certaine personne ici présente, il y a des chiffres à ne pas dire. Donc on dit Assassin's Creed Eve. Je me réveillais quelques jours plus tard dans un village très animé en présence du même homme à de nombreux lieux de chez moi. Lui-même indigène, il avait un visage sérieux, mais doux. Il me dit qu'il s'appelait Balam.
et que je devais pas avoir peur. Étrangement, je n'avais en effet pas peur, peut-être à cause de son calme ou de son ton rassurant. Je lui demandais pourquoi il m'avait amené dans cet endroit. Sa surprise parut sincère et il me dit « Vous êtes un sage. Votre visage l'indique et par-dessus tous vos yeux. Je ne sus qu'en penser. » Il poursuivit « Vous venez d'une longue lignée d'hymnes identiques à des hommes venus de leur temps d'origine. Votre apparence et votre esprit reprennent un modèle qui se répète depuis des millénaires. Il se passe souvent un ou plusieurs siècles avant qu'apparaisse un sage. » D'autres fois, deux naissent dans la même décennie. Personne ne sait pourquoi. Et tandis qu'il parlait, je me rendis compte que tout ce qu'il disait était connu de moi. Mais cela ne m'ôta pas ma frayeur pour autant. Comment pouvais-je être la réincarnation d'un homme? Comment avais-je pu vivre une vie en en connaître d'autres tout en gardant des traces de la première? J'ai passé beaucoup de temps avec ce Baalm. Mais il m'a dit tout ce qu'il savait avant de me poser des questions en espérant que je pourrais y répondre. Isa, à fond. Samedi à 18h, ah bon? À ce point-là? Vous n'avez aucune confiance en vos partenaires? Isa, elle casse du BG au tous les petits-déj. Tout le petit-déj, elle arrive, elle se lève et elle casse du BG. Non mais je l'accorde, les Kyo, j'entends plus souvent les singes dans le jeu que les sages en fait. Mais je pense encore une fois que c'est moi qui suis une quiche. On s'en fout des fragments d'Animus, mais comme ça on aura terminé la zone, on n'aura plus besoin d'y revenir. Waouh. Mais c'est que ça sert dessus violemment par là. Un bon moyen pour se prendre la coque dans les dents là, ça. Par le rappel du numéro. Je crois que j'ai envie d'aller voir, mais je sais pas, c'est pas mon bateau ça, on est d'accord. Oh, oh, oh. Oh là là, c'était magnifique. Toi, je sais pas qui tu es là. Mais si je peux venir te voir, crois-moi, je vais te faire plaisir. Oh, moi, on a terminé la Floride. Non, non, mais là, c'est juste pour torcher la zone, hein, en quelque sorte. C'est juste pour dire, bon, bah, ça y est, c'est terminé. On peut passer à la suite. Ces mots qui font rêver. C'est foutu, ça. Il faut se mettre autre chose dans le crâne, mais vite. Non, mais le 8 nous porte bonheur, non? Donc 2018, 98. Le capitaine est là-bas. Normalement, ça devrait être bon, non? Hein? On est censé gagner la coupe tous les 8 en fait. Du coup en fait je cherchais un bateau. Non, mais il porte rien lui? Sérieux, t'as rien à me donner toi? Déçu. Je suis tellement déçu. Oh. Un mec qui va se prendre un regard noir. Genre, je vais te tuer. Normalement, je suis juste là. On est à côté d'un fort, pourquoi ne pas y aller? On se promène, hein. T'as donné le conseiller, je suis là.
Bah écoute, faut le nourrir, et là, le troll, faut toujours nourrir le troll. Ou le pas le nourrir, ça dépend du point de vue. Bref, du coup, on va faire une courte pause de rediffusion, parce que je vois qu'on a 44 minutes avant de repartir. Ça serait triste quand même de faire une vidéo trop longue. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. Et n'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur tous. Enfin, c'est chaud. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous. Ciao tout le monde, à tout de suite. Salut. Ah non, je suis en fou, dégage. J'ai mis...